J'ai un bel homme, Suisse. On te l'a jamais dit. Bon, il rattaque à plourd, Jean-Luc. Ouais, il pleut. Qui est une souille, ouais. Qui l'a fait. Oh, tatat. Qui l'a fait Ralic. Est-ce que quand on est catalogué plus pour la comédie, ou en tout cas, est-ce qu'il y a une envie quand même particulière d'essayer autre chose, d'essayer le drame, d'essayer... Le... Et là, justement, je n'ai fait que des rôles sérieux. Donc, t'es sérieux dans la vie ? Donc j'ai perdu mon humour. Est-ce que tu es sérieux ? Non, je regarde, je ne ris plus. Quand tu es chez toi, est-ce que tu es sérieux ? Quand je suis chez moi, bon, j'aime bien rire, mais j'aime bien aussi me reposer, parce que je suis un petit nerveux, donc il faut que je prends des pauses, moi je fais des siestes, tu vois, je suis quelqu'un de... J'aime bien le calme aussi. Est-ce que la scène te manque un peu ? Parce que tu as été le chanteur... Des Slips ? Du mythique groupe Les Slips. Oui, ça me manque, comme j'ai déjà pas mal de trucs, donc je me dis que c'est pas toujours évident de trouver encore... C'est le temps qui te manque. Ouais. Tu es un angoissé ? Avant de tourner, avant de jouer, tu sais ? Bah... Ouais, quand même, un peu. Qu'est-ce qui caractérise le Liégeois ? C'est un peu comme le... Liège, c'est un peu comme le Marseille en France. C'est la chaleur de... Enfin, il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas le soleil, mais chez les gens, il y a du soleil, quoi. C'est quelque chose de... C'est des gens très... Tout de suite en contact, tu rentres dans un bistrot, bah, tout de suite bah, tu fais connaissance avec tout le monde. Quoi. Est-ce qu'il y a des acteurs avec qui tu auras envie de jouer ? Oh, tu me poses une question. Là. Ah bah ouais. C'est pas. Quoi ? Ouais, avec toi, voilà. Ah ! Voilà, avec toi. Qu'est-ce que tu connais comme juron liégeois ? Crivadu, pas ça ? Crivadu ? Parce que oui, t'es... Ousté. Des expressions liégeoises, t'en connais quelques-unes ? Monter les escaliers 4 à 4. Fléro. Crevi biest. Kin biest. Sopete koyo. Tu connais ça celle-là ? Comment ? Sopete koyo va. Tu connais pas ça ? Ou alors j'ai mal ma tête. Est-ce qu'il te va bien toi ? Aïe. On se complaisante avec Besson ou pas ? Oui. C'est Taxi 4 à Marseille quoi. Donc t'as un énorme complexe de trucs. Toutes les salles passent taxi. Et le soir arrive et alors t'as Besson qui est là évidemment pour présenter. Et alors il dit, et maintenant hein, il dit voilà. Et alors il présente le commissaire, il présente. Oui, il présente Petra, tu vois, ouais. la Suédoise. Et alors, mais alors tout le monde applaudit. Et puis ouah. Et alors il dit, et après il fait. Et Jean-Luc Couchard. Silence. Attends. Et à l'époque, François Damiens aussi. Et François Damiens. Silence. Rien. Que dalle, il nous regarde comme ça. Le bide. Moi, je pète de rire, je n'en peux plus. Je rigole comme un pété, moi, ça me fait rire. Ça, enfin, il y en a qui auraient râlé, mais moi, ça me fait marrer, je n'en peux plus. Et donc, il y a Besson qui vient de trouver après, il dit en fait, j'ai plutôt vous présenté en début de truc. C'est Jean-Luc Couchard, ce fut un plaisir de vous recevoir dans ma voiture on the road again, hein. Je t'en prie. Allez, hé, hey, fais doucement, il fait gras sur la rue. Hein. Quatorate, hein. Et quatorate, hein.